Sixième partie, Sakara, la machine quantique. Le sanctuaire de Sakara. Sakara, l'un des lieux les plus mystérieux de l'Égypte, fut conçu par le grand prêtre Imhotep, un génie universel, qui a été le premier philosophe de l'histoire, le père de la médecine, de l'architecture, de la physique et de la chimie. Les Grecs qui firent leurs études en Égypte l'ont rebaptisé Asclépios ou Aesculapius pour souligner ses prouesses médicales. Ils l'ont également appelé Hermès Trismégistus, trois fois grand, car il était aussi un grand philosophe et un excellent physicien qui a révélé le fonctionnement de l'univers. Imhotep, le grand prêtre de l'école de mystère de l'œil d'Horus, fit construire Sakara, un énorme chantier en termes de temps, de travail et de ressources qui bénéficia à toute la société sur le plan spirituel et matériel. La technologie qui y était développée était essentielle pour accélérer la fréquence vibratoire des initiés, facilitant ainsi leur évolution spirituelle. Elle a permis à ses disciples de voir qu'il existe d'autres dimensions, d'entrer en contact avec des êtres supérieurs et d'entendre les révélations de ses grands maîtres. D'un point de vue physique, cette construction a permis de créer des couloirs électromagnétiques qui ont facilité le déplacement des matériaux nécessaires à la construction de leur temple. Sakara produisait de l'énergie tachyon, l'énergie qui possède la plus haute fréquence vibratoire de tout l'univers. Cette énergie est neutre. Elle se compose des paires de particules de charge électrique opposées qui se neutralisent et s'équilibrent. Puisque cette énergie est neutre, elle ne crée aucune résistance et se déplace à 27 fois la vitesse de la lumière. C'est l'énergie de la pensée quand elle vibre sur la haute fréquence de l'amour. C'est l'énergie que Jésus utilisait pour provoquer les événements extraordinaires que nous appelons miracles. Il a prouvé qu'en vibrant sur la très haute fréquence de l'amour, l'esprit peut diriger l'énergie tachyon, l'énergie de la pensée, pour élever l'énergie vitale des malades, permettant d'incroyables guérisons, allant même jusqu'à les faire revenir du royaume des morts. Elle pouvait permettre aussi d'augmenter la fréquence vibratoire de l'eau pour la transformer en vin. Toutes les choses et tous les êtres de l'univers vibrent à des fréquences différentes selon leur niveau d'évolution. Sakara produisait un immense champ électromagnétique et des sons qui vibraient à des fréquences différentes. Sa forme et son agencement produisaient et stockaient l'énergie en équilibrant les particules électriques pour les transformer en colonnes ondulatoires stationnaires d'énergie tachyon. La pyramide produisait différentes fréquences, ce qui permettait à tous les disciples, quel que soit leur stade d'évolution, de capter cette énergie et d'élever leur niveau de fréquence. Cela influençait leur niveau d'énergie vitale et leur aura, ou champ électromagnétique. Ils recevaient en même temps une préparation intense qui, après 21 ans d'apprentissage, leur permettait de prendre conscience de l'existence de plus hautes dimensions de la réalité. En manipulant des niveaux supérieurs d'énergie vitale dans la vibration de l'amour, le sens de la télépathie s'éveille, tout comme la sensibilité permettant de percevoir la musique des sphères, la danse des particules subatomiques qui forment l'aura, le champ électromagnétique que chaque être humain produit autour de son corps. La machine quantique de Sakara accélérait ce processus d'élévation spirituelle car elle permettait aux initiés qui avaient différents niveaux de conscience de connaître une augmentation graduelle temporaire de leur fréquence vibratoire.
grâce à la méditation, en recevant les informations nécessaires pour trouver le chemin de la paix et de l'harmonie, en respectant tout ce qui existe, en comprenant que toutes les choses du monde vivant sont reliées entre elles, cette expérience vibratoire pouvait devenir constante. Les disciples les plus avancés, qui demeuraient en permanence à de hauts niveaux de fréquence vibratoire, pouvaient déplacer leur conscience dans le temps et l'espace, voir la chaîne des réincarnations qui leur avait permis d'atteindre le niveau dans lequel ils se trouvaient. Ils pouvaient voir et percevoir des réalités au-delà de la troisième dimension, au niveau évolutif supérieur de l'être humain, dans les mondes des très grands frères, des surhommes éclairés, des êtres qui avaient traversé toutes les étapes de l'évolution pour en tirer leurs enseignements. La connaissance de ces réalités permit à Imhotep de déclarer dans le Kybalion que ce qui existe dans l'au-delà existe aussi ici-bas, qu'il y a une relation entre les différents niveaux de réalité. Il a enseigné que le niveau physique, le plus évident pour nos capacités limitées de compréhension, peut être analysé pour trouver des vérités sur d'autres plans de la réalité que nous ne pouvons pas percevoir. Les initiés qui avaient perçu l'étape suivante sur le chemin vers la perfection pouvaient expérimenter personnellement cette réalité avant de revenir parmi leurs semblables pour rayonner d'amour et révéler ces vérités à ceux qui étaient restés à des niveaux inférieurs. La vérification personnelle faisait tenir debout tout le projet pyramidal de la société égyptienne. Le fait que l'univers se décompose en plusieurs niveaux a été prouvé, ou comme l'a dit Jésus, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Cela faisait du sanctuaire de Saqqara un centre de communication avec les plus hautes réalités de l'univers, comme l'ont décrit les Égyptiens dans les textes religieux qu'ils ont inscrits sur les murs de certaines pyramides des premières dynasties. Le paradis ne se trouve pas dans notre dimension physique, mais dans les dimensions supérieures qui vibrent sur la haute fréquence de l'amour. La pyramide donnait accès aux dimensions surhumaines, à celles des très grands frères, des hommes éclairés, qui avaient déjà fait leur temps sur la Terre et s'étaient élevés à un niveau supérieur de réalité. Une autre fonction du sanctuaire était l'utilisation des charges d'ions pour produire des couloirs électromagnétiques le long desquels les prêtres d'Horus déplaçaient les blocs de granit dont ils avaient besoin pour construire leur temple. Une technologie électromagnétique basée sur le fait que les charges égales se repoussent et qui est utilisée aujourd'hui pour faire fonctionner les trains à sustentation magnétique au Japon. À Saqqara, il a été prouvé que lorsque les objets vibrent à très haute fréquence, ils s'allègent, ils s'éclaircissent, et les êtres humains lévitent. Les prêtres égyptiens ont révélé que l'univers se compose de deux pôles énergétiques, l'amour et la peur. L'amour vibre à très haute fréquence, alors que la peur vibre à une fréquence très basse. L'être dont la conscience est peu évoluée n'a pas vécu beaucoup de réincarnations sur la Terre. Il sait peu de choses. Il vibre à très basse fréquence. La douleur et la peur dominent son existence. Il demeure dans l'enfer de la vie. L'être qui s'est réincarné plusieurs fois a appris des résultats de ses décisions et petit à petit, sa fréquence vibratoire s'est élevée, tout comme son énergie vitale, et il a appris à respecter, à ne blâmer personne, à vivre dans la paix et l'harmonie. Disposant de davantage de connaissances qu'il a pu vérifier, il comprend le sens d'amour, il vibre sur sa fréquence et atteint le paradis de la vie. Les prêtres se sont consacrés à accélérer le chemin d'évolution de leurs disciples, en les informant, en les entraînant à transcender leur ego et en les sensibilisant aux hautes fréquences vibratoires.
De nombreuses années de formation permettaient de comprendre que la vie est un processus de vérification d'informations à travers des expériences personnelles permettant de comprendre que seul l'amour peut transformer l'homme en surhomme. L'amour est neutre. Il n'a aucune polarité et il vibre à une très haute fréquence. Son énergie, qui n'a aucune masse, se situe sur le plan spirituel et mental, où elle existe par la volonté de l'observateur. Comprendre cet endroit mystérieux, nous allons remonter le temps jusqu'au moment où il n'y avait rien d'autre qu'un immense désert, au moment où Imhotep initia la première étape de la construction de Saqqara, le sanctuaire souterrain. Il commença par faire creuser un trou vertical, la moelle épinière du sanctuaire, dans le dur sol granitique. Le trou descend à 30 mètres de profondeur, soit la hauteur d'un bâtiment de 12 étages, et il mesure 10 mètres par 10. Il existe une théorie selon laquelle les pyramides produisent un reflet, une forme virtuelle qui se projette sous la terre du lieu où elles sont construites. Une série d'effets rattachés à un concept appelé l'antimatière se produirait. On pourrait accéder à une réalité parallèle, contraire à celle du monde physique, par une chambre qui se trouve sous la pyramide. Ce serait son miroir électromagnétique. Là, le temps avancerait dans l'autre sens, de l'avenir au passé. Quelle que soit la raison physique ou métaphysique qui animait les bâtisseurs de ces galeries, la vérité est que le trou est très profond. Et, bien qu'il ait été sculpté dans un sol granitique très dur, ses murs ont été consolidés avec les premières briques de l'histoire de l'humanité. C'était la première fois qu'une unité de construction était uniformément utilisée comme modèle, une petite brique de roche qui servait pour la réalisation de grands travaux. La chose la plus extraordinaire est que ces briques n'étaient pas faites de pierres taillées, mais de pierres fondues. Sur le Nil, très près des chutes d'Aswan, sur l'île du Sahel, une stèle sculptée de hiéroglyphes écrits par le sage Imhotep a été retrouvée. Elle révèle sa formule chimique pour faire fondre du béton qui, quand il sèche, acquiert l'apparence et la résistance de la roche. Une équipe de scientifiques français, dirigée par le chimiste Joseph Davidovits, docteur en chimie des polymères, a découvert que la mixture produit un agglomérat riche en cristaux de quartz. Un élément qui peut produire de l'électricité si ses molécules vibrent d'une certaine façon. Les Égyptiens mélangeaient des coquilles écrasées et des fossiles qui abondaient à Gizeh, avec du sable contenant un haut pourcentage de quartz et d'aluminium, de la pierre ponce préalablement brûlée, des sels de natron et de l'eau. La mixture produisait une soude caustique qui réagissait avec l'aluminium du sable du fleuve, produisant de l'aluminate de sodium. Ils ajoutaient de la chrysocolle pour obtenir du silicate d'aluminium et de sodium qu'ils complétaient avec de l'arséniate de cuivre qui permettait d'accélérer le processus. Avec cette mixture, que nous avons partiellement déchiffrée, ils produisaient les blocs de pierre de leurs temples et de leurs pyramides. Ils utilisaient les premiers blocs comme une référence pour les autres. Et les blocs s'articulaient donc avec une telle précision que même une carte à jouer n'aurait pas pu s'insérer entre eux. Une fois le trou consolidé, à 30 mètres de profondeur, ils ont creusé dans la roche un gigantesque labyrinthe de tunnels et de chambres. Ils ont sculpté un nombre de plus en plus grand de chambres, orientées aux quatre coins capitaux.
Ils construisirent une chambre adjacente au puits, deux vers l'est, trois vers l'ouest, quatre vers le nord et cinq vers le sud. Chaque groupe de chambres produisait à l'intérieur une fréquence sonore différente, de plus en plus haute, tout en restant dans l'intervalle des fréquences électromagnétiques de la pyramide. Dans chaque chambre, il y avait des milliers d'urnes en albâtre qui vibraient toutes à l'unisson, sur la même note musicale. La forme des vases en albâtre et des liquides qu'ils contenaient déterminait la note musicale ou la fréquence vibratoire sur laquelle la chambre était accordée. La note Mi retentissait dans cinq chambres, qui constituaient le premier niveau pour la plupart des initiés. Là, ils vibraient au-dessus de Ré, qui était la fréquence sur laquelle ils étaient arrivés dans le sanctuaire. Fa vibrait dans les urnes de quatre chambres. Sol vibrait dans trois. La résonnait dans les deux chambres à l'ouest et, dans la chambre principale de la pyramide, dans un sarcophage en albâtre, d'un seul tenant, les meilleurs disciples atteignaient la note Si, ce qui leur permettait d'approcher des dimensions supérieures. On appelle ces espaces les chambres bleues, puisque leurs murs sont décorés avec les premières tuiles en céramique de l'histoire. Il y avait plusieurs nuances de bleu turquoise. À l'intérieur, des couples d'initiés, toujours un homme et une femme, méditaient pour s'accorder sur des niveaux de vibration de plus en plus élevés. Imhotep a écrit dans le Kybalion que la septième loi de l'univers est que le genre est dans tout. Tout a un côté féminin et un côté masculin. Le genre se manifeste dans toutes les dimensions de l'univers. En entrant par couple dans les chambres, les initiés de l'école des mystères atteignaient l'équilibre. Ils se neutralisaient avec leurs champs électromagnétiques, puisque ceux de l'homme tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et ceux de la femme dans le sens inverse. Il a été découvert que les tuiles céramiques sont supraconductrices. Elles n'offrent pas de résistance à une charge électrique. Très certainement, quand le complexe entier était en usage, la colonne ondulatoire modifiait ses molécules pour les rendre neutres. La technologie et le mélange chimique qui permettent d'obtenir le bleu de la céramique ont été inventés par Imhotep. La célèbre pulpe égyptienne, un mélange de bicarbonate de sodium, de glaise bentonite, de silice, de potassium et de bicarbonate de cuivre, permet d'obtenir le fameux bleu turquoise égyptien. Elle est encore utilisée de nos jours pour fabriquer de nombreux objets en céramique. Les tuiles céramiques ont été disposées dans une série d'arcs soutenus par une forme qui représente la moelle épinière de toutes les créatures, appelée Djed. Cette forme diffuse l'énergie dans tout le corps, et Ptah, le dieu créateur de l'univers, la possédait en son pouvoir. Cette forme a été utilisée dans les colonnes qui conduisaient l'énergie de la pyramide, afin de la canaliser vers les couloirs électromagnétiques par lesquels lévitaient les lourds blocs de pierre. Les prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus avaient une connaissance technologique très avancée, qui leur permettait de provoquer des phénomènes physiques de cette nature ou de faire cuire l'émail céramique dans des fours qui pouvaient atteindre 1000 degrés. De grandes images en relief, sculptées dans la pierre, ont été trouvées dans ces chambres, comme celle-ci, représentant le pharaon Djéser durant la cérémonie rituelle de la rénovation, le Hebsed, portant une couronne blanche qui représente son pouvoir sur la Haute Égypte. À Saqqara, il y avait aussi des sculptures qui se distinguaient par la magnificence de leurs yeux en cristal, qui touchaient à la perfection, comme celle des scribes Assis ou du prêtre Kaper. Une forme d'art qui n'a existé que durant les premiers temps de la civilisation égyptienne et qui n'a plus jamais été utilisée par la suite.
au nord, se trouve l'accès au labyrinthe souterrain. Du fond du puits s'élevait une très grande échelle, interrompue par des paliers horizontaux qui montaient jusqu'à la surface. Autour du puits, exactement au-dessus des galeries souterraines, on construisait une plateforme solide, avec les mêmes briques en pierre qui consolidaient les murs du puits. Du côté est, on creusa 11 colonnes, qui descendaient à 5 mètres en dessous des chambres déjà construites. Là, à une profondeur de 35 mètres, à partir de ces colonnes uniformément réparties, 11 galeries s'étendaient vers les autres chambres, stratégiquement placées en dessous des points clés des chambres bleues qui se trouvaient 5 mètres plus haut. Dans ces galeries, plus de 40 000 vases en cristal et en albâtre ont été retrouvés, comme celui-ci, qui représente 1 million d'années avec les deux trônes de la Haute et de la Basse Égypte. Un des titres du sage Imhotep était « le faiseur de vases ». Dans ces galeries, des milliers de vases en albâtre vibraient en fa, qui est la fréquence de vibration de la planète. Les galeries étaient les caisses de résonance de la pyramide. Lorsque l'on produisait un son dans ces galeries, il retentissait dans toute la pyramide. L'albâtre est une matière qui peut vibrer et résonner quand on lui applique une force qui correspond à sa fréquence vibratoire. La vibration produite par les urnes avait une fréquence de plus en plus élevée, en fonction du niveau de vibration nécessaire pour la résonance d'une chambre donnée. La fréquence électromagnétique suivait la fréquence sonore. Les couples d'initiés entraient dans les chambres bleues pour méditer, en harmonie avec le chant, fort et puissant, de la pyramide, alors que le son d'une note de musique vibrait autour d'eux. En montant dans la gamme des notes de musique, le chant s'amplifiait. De cette manière, les initiés s'habituaient à des fréquences vibratoires de plus en plus hautes et parallèlement à des champs de force aux longueurs d'onde plus courtes, éveillant leurs sens et en se sensibilisant à la lumière. Après avoir médité dans les chambres bleues, accordées aux sons provenant des urnes en albâtre, et après s'être exposés à de puissants champs électromagnétiques, les initiés élevaient leurs fréquences vibratoires. Leur énergie vitale augmentait, leur aura se développait, et ils pouvaient vérifier l'existence d'autres réalités. Les différentes notes et vibrations étaient accordées à chaque chakra, conduisant progressivement les disciples vers de plus hautes fréquences, qui leur permettaient de faire des expériences dépassant le monde physique. Dès que les constructions souterraines furent achevées, l'entrée du puits fut couverte par plusieurs couches de pierre, le transformant ainsi en une sorte d'anti-obélisque souterrain, dont la pyramide, comme un bouchon, apparaissait à la surface. Cette structure ressemblait aux mastabas, les buttes de terre utilisées qui constituaient les tombeaux égyptiens, et la pyramide pourrait donc être confondue avec un tombeau. De nos jours, après des siècles, on peut voir la dalle d'origine sous les couches de briques de la pyramide à étages. Ainsi, la première étape des travaux souterrains était achevée.
Les prêtres ordonnèrent ensuite la construction de la première partie d'un gigantesque processeur en trois dimensions pour accélérer l'évolution de l'être humain et produire de l'énergie tachyon grâce à une technologie fondée sur la physique quantique. C'est ainsi que débuta la deuxième étape, qui vit l'érection de la première pyramide après le déluge universel. Une pyramide à étages, qui faisait exactement la moitié du volume et du poids de la pyramide finale. Au-dessus du premier étage, qui recouvrait le puits, ils firent construire avec de plus grosses briques quatre niveaux, de 11 mètres de haut chacun, ayant déjà à l'esprit l'idée d'une pyramide à étages. Le corps principal de cette première pyramide mesurait 44 mètres de hauteur. C'est une grosse masse de briques faite de roches composites fondues qui contenait une forte densité de cristaux de quartz. Les molécules de quartz ont la forme d'un tétraèdre, l'une des cinq formes fondamentales de la nature que l'on appelle les solides platoniciens. La vibration de la planète, son pouls régulier, à l'un des points névralgiques de son réseau électromagnétique, faisait vibrer les cristaux de quartz contenus dans les briques de la pyramide et dans les urnes en albâtre enfouies en profondeur, dans les chambres souterraines, produisant simultanément de l'énergie et du son. La masse de quartz, sous cette tension mécanique constante, générait une friction des tétraèdres de cristaux, donnant lieu à une charge électrique négative, en raison de ce que nous appelons aujourd'hui l'effet piézoélectrique. La masse de pierre se transformait alors en un énorme condensateur d'énergie négative. Il y a deux types de quartz. Certains produisent en vibrant une charge électrique négative, appelée les vautours. Ce sont eux qu'Imhotep a utilisé pour fabriquer la grande masse de roches fondues. D'autres produisent une charge électrique positive, appelée dextrotours, également présente dans les plaques de granit de Tura qui recouvraient la surface de la pyramide. Imhotep a déclaré que la troisième loi de l'univers est que tout vibre, tout bouge, rien n'est immobile. Tout est en mouvement. C'est la fréquence de vibration des particules constituant l'énergie qui détermine les différents états de la réalité, la densité de la matière, la pensée et la très haute vibration de l'esprit. Plus la fréquence de vibration est élevée, plus haut est le niveau de conscience, de connaissance et de respect. Et plus on s'avance sur le chemin de l'évolution. Tout vibre, de la matière la plus élémentaire et la plus dense à l'esprit le plus pur. Cette loi détermine l'existence de différents types d'énergie selon leur niveau de vibration. L'énergie électrique, chimique, magnétique, gravitationnelle et tachyon, qui a été produite à Saqqara. Posées comme une sorte de couverture sur les briques de pierre, se trouvaient des plaques de granit de Tura, contenant des cristaux de quartz qui tournent vers la droite, en produisant ainsi une charge électrique positive. Afin d'isoler la masse des briques de pierre de la surface extérieure de chaque plaque horizontale, ils recouvrirent les briques de blocs de pierre ponce et collèrent les plaques de granit dessus. Ces blocs étaient taillés en biseau pour obtenir des côtés de 73 degrés de pente, générant une inclinaison horizontale de 22 degrés. Ces blocs servaient d'isolant entre les deux charges électriques, la charge négative de la roche en vibration et la charge positive des plaques de granit de Tura, qui recevait, comme une antenne, la charge électrique positive de l'atmosphère, qui est très forte dans cette région du globe. La pyramide stockait par conséquent deux charges énergétiques différentes et opposées.
Les cristaux de la surface de ses quatre côtés recevaient des charges d'énergie positive de l'atmosphère. Et la grande masse de quartz en contact direct avec l'énergie de la Terre plongeait ces molécules d'un champ électrique négatif. La quatrième loi déclare que tout est double, que tout est polaire. Dans la réalité de notre monde, tout a un contraire, qui lui est identique par nature, mais à un degré divers. Les extrêmes s'attirent. Les deux pôles sont les deux extrémités d'une même chose. La chaleur et le froid, en opposition, sont en fait les deux pôles d'une seule et même chose, la température. Il en va ainsi de la lumière et de l'obscurité, de la grandeur et de la petitesse, de la mollesse et de la rigidité, de la noirceur et de la blancheur, du bruit et du silence, de la hauteur et de la bassesse. La forme pyramidale était essentielle pour le fonctionnement de la machine quantique. Plus on montait, plus la superficie des couches de pierre horizontales diminuait, et plus elles accumulaient des charges électriques importantes. Le même phénomène se produisait à la surface des plaques de granit de Tura. Ce phénomène était amplifié par les 11 puits verticaux et par l'obélisque souterrain, décalé par rapport à l'axe nord-sud de la pyramide et situé sur un point névralgique du réseau électromagnétique lié à la rotation de la planète. Cet ensemble permettait la circulation des charges électriques dans les deux sens. Les particules chargées positivement tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules chargées négativement tournaient dans le sens inverse. Ce circuit générait un tourbillon électromagnétique, une tornade de particules subatomiques qui fonctionnait comme un accélérateur et dont la source d'énergie était le pouls régulier de la planète qui créait une fréquence constante et produisait une résonance. À une certaine vitesse et à une certaine fréquence, les forces centripètes et centrifuges faisaient se regrouper les particules de charge et de mouvement opposés qui se neutralisaient et trouvaient un axe commun de rotation à 90 degrés de l'axe de la pyramide, produisant une colonne ondulatoire stationnaire. Cette colonne d'énergie était formée de particules subatomiques regroupées et neutralisées qui vibraient à très haute fréquence. Elles descendaient jusqu'au noyau cristallin de la planète et montaient à des centaines de kilomètres jusqu'à atteindre l'ionosphère. On appelle ces particules neutres et équilibrées l'énergie tachyon. Leur neutralité ne produit pas de résistance lorsqu'elles se déplacent. Elles sont à la base des phénomènes de supraconductivité. En accélérant la fréquence vibratoire de l'énergie, le tourbillon de la pyramide l'a transformée en une énergie supérieure, l'énergie tachyon, qui est de nos jours étudiée par la mécanique quantique. L'énergie tachyon est caractérisée par la plus haute vibration et par la plus grande fréquence de tout le monde réel. C'est l'énergie consciente, l'énergie de l'information, comme celle que l'homme engendre et manipule dans son cerveau quand ses pensées vibrent au rythme de l'amour. L'énergie tachyon, tout comme les colonnes ondulatoires stationnaires, ont été étudiées par Nikola Tesla. Il les a utilisées comme une source d'énergie alternative pour les moteurs électriques, la radio, la télévision, les rayons X, les radars. Elles sont à la base de plus de 1600 brevets d'invention qui ont marqué le XXe siècle. Le rouleau de Tesla,
utilisé pour démarrer électriquement les moteurs de voiture, génère ce type de tourbillon pour transformer un courant de 12 volts appliqué à une bobine de cuivre en un courant de plusieurs milliers de volts en le faisant passer dans une autre bobine. En 1942, Tesla dirigea l'expérience de Philadelphie, qui utilisa d'énormes champs électromagnétiques pour organiser l'énergie en paires de particules de charge opposée et la transformer en énergie tachyon. Il put ainsi désagglomérer un objet solide et rassembler ses particules à un autre lieu. Le projet Invisibilité a permis de désintégrer le navire USS Eldridge pour rassembler ses particules à 75 km de distance. Mais ses occupants moururent ou restèrent dans d'atroces souffrances, prisonniers du métal. Tesla connaissait un secret hermétique. Quand les particules qui constituent l'énergie sont réorganisées, des changements de masse se produisent. Dans ses études, Tesla a conclu que l'énergie tachyon se déplace 27 fois plus vite que la lumière. C'est l'énergie de la pensée. La théorie d'Einstein, dans laquelle la vitesse maximale de la lumière est de 300 000 km/s, se situe à un niveau qui correspond à la réalité. Le niveau physique de la densité matérielle formée par les atomes, les électrons et les protons. Mais l'univers a trois niveaux, le physique, le mental et le spirituel. Les tachyons, la base de l'univers dual, sont des couples de particules subatomiques qui se déplacent en permanence à une très haute vibration et à une très grande fréquence, et qui se neutralisent quand leurs charges électriques s'opposent. Les tachyons constituent l'énergie supraconductrice. Leur neutralité n'offre aucune résistance à la charge qui traverse leurs molécules. Un élément composé de ces particules, qui vibre à une fréquence extrêmement haute, n'a aucune gravité. Sa masse n'a donc pas de poids, c'est de l'énergie pure. La mécanique quantique actuelle déclare que ces particules subatomiques n'ont aucune masse et qu'elles ont juste une tendance à exister, qui est mesurée en termes de probabilité et qui dépend du bon vouloir de l'observateur, du niveau mental de l'homme. Imhotep savait tout cela et beaucoup d'autres choses que nos savants d'aujourd'hui ignorent toujours. La mécanique quantique et la supraconductivité sont des avancées très récentes de la physique. La pyramide à étages de 4 niveaux avait un volume de 280 000 mètres cubes de pierre qui pesait environ 450 000 tonnes, soit exactement la moitié du poids et du volume de la pyramide finale. Devant elle, les Égyptiens placèrent des colonnes d'énergie pour créer un couloir électromagnétique qui allait jusqu'à Tura. À partir de là, ils transportaient les matériaux nécessaires à l'aboutissement du projet. Ils ont élargi la pyramide au nord et à l'ouest, en laissant les côtés sud et est intacts. La pyramide a grandi comme le corps humain, par la tête. Si tout n'avait pas été calculé, il aurait paru plus logique de l'élargir symétriquement sur les quatre côtés, comme la peau d'un oignon. Avec cette extension, l'obélisque virtuel souterrain se retrouva exactement sur l'axe nord-sud de la nouvelle pyramide, qui avait dès lors une base de 140 par 100 mètres. On ajouta encore deux niveaux, pour atteindre 65 mètres. L'opération permit de doubler le volume de la pyramide, soit 560 000 mètres cubes de pierre pour un poids de 900 000 tonnes. L'emplacement des entrées confirme également qu'Imhotep avait planifié les stades de l'expansion depuis le tout début. Un tunnel a été facilement prolongé à partir de l'entrée d'origine.
un deuxième escalier menait à l'une des cours d'un temple construit sur le côté nord pour cacher l'entrée des souterrains. Le doublement du poids et du volume de la masse de pierre n'est pas un hasard. La production d'énergie et la taille du champ de force électromagnétique de la pyramide dépendaient de la quantité de masse en vibration. Les pyramides suivantes furent de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes jusqu'à la pyramide de Khéops, qui pèse 6 millions de tonnes. Le poids détermine la quantité d'énergie produite. Ce volume de pierre tourne sur l'axe de la Terre à une vitesse constante. On lui a donné une forme pyramidale afin d'extraire l'énergie de sa masse en tirant profit des mouvements naturels de la planète, de sa fréquence de rotation et de sa vibration constante. Dans l'obélisque souterrain, une bobine mobile composée d'un fil d'or enroulé autour d'une barre en bois bougeait de haut en bas et de bas en haut. Grâce à ce mouvement, cette bobine impulsait tout le champ électromagnétique de la pyramide et pouvait ainsi induire des changements de fréquence vibratoire dans toute la colonne énergétique. Le puits se transformait en trou de résonance magnétique. Aux quatre coins supérieurs de l'obélisque se trouve toujours un jeu de bielles en bois épais, positionné à 45 degrés pour servir de crochet et permettre à la bobine de se mouvoir verticalement. Cette bobine électrique permettait de contrôler la longueur d'onde des signaux émis. Quand elle montait, la fréquence vibratoire augmentait jusqu'à atteindre le degré maximum. On pouvait ainsi décider du moment où l'on voulait décharger l'énergie accumulée dans les molécules de quartz de la pyramide à l'occasion de cérémonies planifiées qui, pour des raisons d'équilibre, avaient lieu les jours d'équinoxe. Les prêtres égyptiens ont prouvé que les pyramides sont des objets perpétuellement en mouvement et que chaque mouvement peut être transformé en énergie. La dernière étape fut la construction d'un mur d'enceinte très travaillé et la finalisation de tous les travaux de surface, les fausses chapelles et la cour des serpents, sous l'œil attentif d'un observateur privilégié, la statue du pharaon Djéser. Cette énorme mécanique quantique conçue par Imhotep demanda beaucoup d'efforts, de temps, de ressources humaines et matérielles. Mais le bénéfice que la société put en tirer valait bien un tel investissement. Le tourbillon a été utilisé pour accélérer le développement spirituel des disciples de l'école des mystères de l'œil d'Horus, ces chefs qui ont élevé le niveau de conscience de leur peuple. L'énergie tachyon produite par la pyramide, en augmentant la fréquence vibratoire du cerveau, raccourcissait la longueur de ses ondes, amplifiait le pouvoir mental de l'initié et élargissait son champ électromagnétique, ou en d'autres termes, son aura. Cela permit à ses disciples d'accéder aux couches supérieures de l'univers. Il pouvait ainsi vérifier l'existence d'autres réalités et d'assurer la sécurité de toute la société. En s'accordant sur la même fréquence que des êtres plus élaborés, ils étaient en mesure de communiquer avec eux et de recevoir des informations. Saqqara fut le premier centre de communication à destination de dimensions supérieures. Les pyramides sont le fruit d'une technologie quantique que nous commençons tout juste à découvrir, une technologie que les Égyptiens avaient héritée d'Atlantide, la civilisation perdue.
Nous négligeons les enseignements que nous pourrions tirer de Saqqara, qui est un exemple d'une technologie dont nous ne rêvons même pas et que nous nous contentons de croire possible. Une technologie contrôlée par la conscience, vouée à la perfection spirituelle de tous les peuples. Cet énorme circuit électromagnétique produisait et accélérait des particules d'énergie. Il transformait l'énergie statique en courant énergétique pour en faire de l'énergie tachyon. À Saqqara, les champs solides et électromagnétiques ont été utilisés simultanément pour la première fois afin d'augmenter la vibration des initiés grâce à une technologie qui sera plus tard perfectionnée dans la pyramide de Khéops. Sur le plan physique, ils ont utilisé l'énergie produite par la pyramide pour construire des couloirs électromagnétiques et générer des phénomènes de supraconductivité. Ils établirent la base de l'architecture en utilisant des blocs de pierre. Ils ont prouvé leur sensibilité artistique sur le mur d'enceinte très travaillé et sur les murs de la cour des serpents, dans les détails architecturaux très raffinés du décor de pierre qui dissimulait leur machine quantique. Ils mirent au point des formules chimiques pour faire fondre des pierres contenant une forte densité de quartz et fabriquer des tuiles en céramique qu'ils utilisèrent dans des galeries souterraines subtilement élaborées. Ils se sont servis des hiéroglyphes pour sculpter dans la pierre leur conception de l'univers. Leur vision nous est restée dans les lois fondamentales d'Imhotep, qui ont constitué la base de la connaissance hermétique pour les francs-maçons, les rosicruciens et les templiers. Imhotep a écrit que n'importe quelle cause a son effet et que n'importe quel effet a sa cause. Rien n'existe par hasard, sans cause, car sinon l'univers serait détruit. En y réfléchissant, Einstein a dit « Dieu n'a pas joué au dés ».